Joël Matancio, son nom n'est pas très connu et pourtant il est impliqué dans l'un des faits divers les plus énigmatiques de la fin des années 70. Dans la région de Grenoble, 3 enlèvements, 3 assassinats, des demandes de rançon exorbitantes, 350 millions de francs une fois, 400 millions une autre fois, ce qui fait un peu plus de 60 millions d'euros. Pour des victimes qui ne sont ni riches ni célèbres. Le preneur d'otages prétend avoir des raisons politiques et se fait appeler Brigade Rouge, groupe 666. Pendant des mois, il joue au chat et à la souris avec les policiers. Pour se faire remettre la rançon, il organise de véritables jeux de piste qui durent des jours et des nuits. L'homme a été arrêté et condamné, mais il n'a jamais livré ses secrets. Au mois de juin 1976, dans la région de Grenoble, un homme disparaît. Il s'appelle Christian Leroy. Il a 25 ans. Il est chauffeur de bus et il est jeune père de famille. Un samedi après-midi, il quitte son domicile pour se rendre au travail. Depuis, pas de nouvelles. Ben, ce soir-là, malheureusement, je ne l'ai pas vu rentrer. Je l'ai attendu. Donc, à un moment donné, bien sûr, je me suis dit, je vais aller me coucher. Et puis, dans la nuit, quand même, je me suis réveillée. Je me disais, quand même, c'est bizarre. Il n'est toujours pas là. Je suis même allée regarder mon fils dormir. J'ai même éprouvé un petit malaise, vous voyez. Je me suis réveillée en pleine nuit vers les 2h du matin et je n'étais pas très bien. Et après, malgré tout, je me suis recouchée. Et le lendemain matin, j'ai appelé son employeur et donc je suis tombée sur un collègue de travail qui m'a dit qu'il avait refait une autre prise de service. Voilà Micheline rassurée. Son mari, chauffeur de bus aux voies ferrées dauphinoises, a travaillé plus longtemps que prévu. Elle n'a pas de raison de se tracasser. Il lui est déjà arrivé de changer de planning dans son travail. Seulement voilà, la nuit suivante, non plus, Christian ne rentre pas à la maison. Et là, c'est la première fois qu'il passe 2 jours hors du domicile conjugal sans donner signe de vie. La jeune femme commence à s'inquiéter, mais elle ne prévient toujours pas la police. Elle veut encore croire que son mari va rentrer. Le lendemain quand même, le lundi, là j'arrive au lundi matin et là vers les midi j'ouvre ma boîte aux lettres et là j'ai une lettre que je comprends pas bien parce que c'est marqué dessus contre rançon, je vous rends votre mari, toute une lettre. Et donc là je me dis je comprends plus là. Cette lettre que vient de recevoir Micheline Leroy est signée des Brigades Rouges, groupe 666. Peut-être est-ce une antenne des fameuses Brigades Rouges qui ont fait trembler l'Italie dans les années 70. Dans ce courrier, le groupe supposé révolutionnaire revendique l'enlèvement de Christian Leroy et demande une rançon colossale pour le libérer. 350 millions de francs, plus de 50 millions d'euros. Cette fois-ci, affolée, Micheline Leroy court prévenir la police et c'est le commissaire Mabillon qui prend en main les premières recherches. Et pendant que des inspecteurs se lancent dans ces premières vérifications de surface, si je puis dire, arrive une autre lettre du même style que le maire de Grenoble, monsieur le député-maire du Bedou, nous remet ou nous fait remettre. Et pour finir, dans la demi-heure qui suit, le maire d'Échirolles, monsieur Kiulu, nous fait parvenir une lettre qui lui avait été adressée personnellement, et qu'il le désigne comme l'intermédiaire chargé de la remise de la rançon. Et pour ce faire, on lui donne un rendez-vous prévu 2 jours plus tard, le 24 juin, dans un café de la place Victor Hugo à Grenoble. Dans ces lettres reçues et transmises par le maire d'Échirolles et le maire de Grenoble, les Brigades Rouges 666 revendiquent 2 enlèvements. Celui de Christian Leroy, le chauffeur de bus, mais aussi d'une certaine Muriel, dont les policiers n'ont pour l'instant jamais entendu parler. Les ravisseurs ont aussi écrit au Dauphiné Libéré, le plus gros quotidien de la région. Eh bien, on a reçu au journal une lettre signée des Brigades Rouges, nous annonçant la prise en otage de deux jeunes gens de Grenoble. Et dans cette lettre, il y avait 2 cartes d'identité, la carte d'identité de ces 2 otages. Et puis, la personne qui avait envoyé cette lettre demandait une rançon phénoménale, astronomique, ce qui fait qu'on n'a pas pris très au sérieux l'envoi de cette lettre. C'est effectivement un grand étonnement. Christian Leroy, Muriel pour nous, sont à ce stade inconnus. La rançon qui est demandée a l'air à ce point exorbitante qu'on a du mal à concevoir même ce qu'elle peut représenter.
Le fait que M. Kioulou soit désigné comme intermédiaire, un maire d'une commune suburbaine de Grenoble, nous pose problème également. Et donc, au moment de la réception des lettres, c'est de l'étonnement. De l'étonnement, et pour tout dire, de l'incrédulité. Policiers et journalistes ne croient pas à ces brigades rouges à la française. Ce groupe 666 ne paraît pas sérieux, leur argumentaire politique sonne faux. Quoi qu'il en soit, les policiers de la sûreté s'intéressent immédiatement à cette Muriel dont ils n'ont jamais entendu parler. Nous retrouvons l'existence et la trace de Muriel. Le service de permanence de nuit de l'hôtel de police, la veille, avait enregistré en main courante la déclaration d'une éducatrice d'un foyer social situé sur la commune de Saint-Martin-d'Hères, une éducatrice qui signalait l'absence, également inquiétante, d'une pensionnaire de l'établissement, Muriel, absente depuis le samedi soir précédent, après qu'elle ait eu manifestement un rendez-vous avec un jeune homme qui est venu l'attendre à la sortie du foyer, vers 21h30, qui pilotait à cette époque-là un véhicule Volkswagen de couleur gris métallisé, et dont on savait, ou dont il était su au foyer, qu'il s'appelait Christian. Le lien paraissait fait. Alors ultérieurement, en interrogeant les pensionnaires et la directrice et les éducatrices du foyer, on apprendra que Christian Leroy et Muriel se connaissaient en réalité depuis 8 jours, qu'une amie intermédiaire les avait présentés et qu'ils avaient effectivement pris rendez-vous pour ce samedi soir 19 juin. Christian et Muriel se connaissaient donc. Ils étaient même amants. Et ça, ça change tout. Et si ça n'était pas un enlèvement, mais tout simplement une fugue amoureuse? Le commissaire Borel Garin pense tout de suite à la piste de la fugue. L'idée qui a pu germer, c'est que Christian Leroy et Muriel se découvrant un amour fou, décidaient de refaire leur vie ensemble et pour débuter leur vie, de partir avec un pactole. Et quel pactole ? 350 millions de francs de rançon, 53 millions d'euros. Seulement problème, Christian et Muriel ne se connaissaient que depuis très peu de temps et rien dans leur personnalité ne colle avec un projet aussi fou. Les policiers interrogent leur famille et leurs amis. Nous rendons au foyer l'Oiseau Bleu à Gières et là nous entendons toutes les amies qui étaient proches de Muriel. Et tous nous la décrivent comme une personne proche de son enfant. Donc elle n'avait aucune raison de s'enfuir en laissant son enfant. Christian Leroy, non plus, n'avait aucune raison de fuguer. Il était marié depuis à peine 3 ans et certes, ça n'allait pas fort avec sa femme. Mais il venait, lui aussi, d'avoir un enfant, un fils âgé d'un peu plus d'un an, auquel il était, semble-t-il, extrêmement attaché. Bon, on était en crise, je me dis peut-être qu'il est parti avec quelqu'un, pour la soirée, enfin je veux dire, mais pas au point de partir, de laisser sa femme et son enfant, surtout son enfant, parce que non. D'ailleurs, assez vite, je me suis dit, non, ça c'est pas bon, c'est sérieux, il y a quelque chose de grave peut-être qui se passe. Donc si les deux disparus n'ont pas fugué, alors il est possible qu'ils aient été enlevés. Alors, commissaire Taucheport, en juin 1976, cette affaire vous tombe dessus. Elle est au tout début. Est-ce que franchement, vous croyez à la thèse de l'enlèvement ? Immédiatement. On se dit, Brigade Rouge, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est le terrorisme, Brigade Rouge, c'est 666. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors on essaie de fouiller, on se dit mais... Et puis, on est vraiment très inquiet, on est immédiatement très inquiet parce qu'on se dit, ça peut avoir... Ça peut... On pense tout de suite aux Brigades Rouges, on pense au terrorisme. Alors à un moment donné, il y a quand même quelque chose qui vous fait douter, c'est qu'il y a des témoins
qui vous disent les avoir vus tous les deux vivants après leur enlèvement supposé. Effectivement, et vous avez tout à fait raison. Il y a, on a deux ou trois témoignages. Il y en a même un qui dit les avoir vus à Modane. Hein, puis il y en a dit qu'ils les avaient vus deux, trois jours après, après leur disparition. Mais rien de précis. Rien de précis. Dès qu'on veut fouiller un petit peu plus sur le témoignage, ça c'est oui, peut-être. C'est absolument pas précis. Maintenant, il faut établir un contact avec les ravisseurs. Dans leur lettre, ils ont désigné un intermédiaire, le maire d'Échirolles, Georges Kiulu. Ils lui ont fixé un rendez-vous le jeudi 24 juin à 20h dans un café de la place de Verdun, à Grenoble. Les ravisseurs ont demandé au maire d'Échirolles de livrer la rançon, les fameux 350 millions de francs, dans un sac de sport qu'il devait tenir, placer ostensiblement sur une table en terrasse et attendre dans ce café la communication téléphonique des Brigades Rouges. Les policiers décident de se rendre au rendez-vous fixé par les ravisseurs à la place de M. Kiulu. Bien, M. Kiulu, évidemment, s'était proposé pour aller au rendez-vous qui lui était fixé, mais il n'était pas question de lui laisser prendre un risque quelconque. Donc à ce moment-là, c'est moi qui, la plupart du temps, les remplaçais, puisque de toute façon, il ne devait pas y avoir de contact direct. Donc M. Kiulu ne risquait pas d'être non reconnu, disons, puisque tout se passait par téléphone. Le commissaire Verne attend les ravisseurs à la terrasse du café. Le téléphone du bar est placé sur écoute et des policiers en civil sont en planque aux alentours. À 20h, le dispositif est en place. Le commissaire Verne tient à ses côtés, bien en évidence, le sac de sport censé contenir l'argent. Un sac bourré, en fait, de papier journal. Sur le coup de 20h, autant qu'ils me souviennent, les Brigades Rouges appellent le bar et demande M. Kiulu. Il y a un moment d'incompréhension, le gérant de l'établissement ne comprend pas de quoi il retourne, et finalement, la communication est coupée. Deuxième appel des Brigades Rouges, qui cette fois ont un autre interlocuteur au bar, et qui charge le barman d'un message pour M. Kiulu, qui en principe se trouve en terrasse. Je lui fais un message, oui, allez-y. Qu'il se rende au glacier Place Notre-Dame. Place Notre-Dame. Oui, qu'il trouvera les instructions dans les toilettes hommes. Voilà. Qu'il trouvera les instructions dans les toilettes hommes. D'accord. Dans le soupirail de ventilation. D'accord. D'accord, merci. Bon service. Dans ce document d'époque, la communication trop brève ne permet pas aux policiers de localiser l'appel. Le commissaire Verne suit donc les indications des ravisseurs. Direction le bar Le Glacier, place Notre-Dame, en plein cœur de Grenoble. Comme convenu, derrière la grille d'aération des toilettes, il y a un message. Le porteur de la rançon doit se rendre jusqu'au Sapé, un village à une trentaine de kilomètres. Là-bas, au pied d'un panneau indicateur, il trouvera d'autres instructions. C'est le début d'un très long jeu de pistes. De là, de message en message, le commissaire Verne, porteur en principe de la fameuse rançon dans le sac de sport, était censé faire un itinéraire extrêmement compliqué qui l'amenait jusqu'au col de porte où, à nouveau, d'autres messages découverts au fur et à mesure lui intimaient l'ordre d'avoir à gravir un sentier pour retrouver à nouveau des messages complémentaires quelque part plus loin. Pour plus de crédibilité, les policiers ont emprunté la voiture officielle du maire d'Échirolles. À vive allure, le véhicule s'enfonce dans la nuit. L'itinéraire imposé par les ravisseurs est fait de petites routes et de virages serrés. Il interdit toute filature sous peine de se faire repérer. À bord de la voiture de M. Kiulu, les policiers se retrouvent donc seuls, livrés à eux-mêmes, sans aucun renfort possible, si ça tourne mal.
Moi, je me souviens, j'avais un Colt 45 et il était sous la cuisse. Le Pierre Verne, qui jouait le rôle du maire, était à côté avec son arme aussi. Et on avait placé un collègue derrière les dossiers du siège avant et devant la banquette arrière avec un pistolet mitrailleur parce qu'on ne savait pas du tout où on allait. Et le chemin, en plus, on ne le connaissait pas, on n'avait pas eu le temps de le repérer ou quoi que ce soit. Il y avait une chose qui avait été impressionnante, c'est qu'on avait dû monter une petite route en caillasse qui était entre deux talus qui nous dominaient. Et il faut avouer qu'on se demandait si on n'était pas des proies faciles. Les policiers finissent par se dire que l'opération, en pleine nuit, au milieu de la forêt, est trop dangereuse. Tant pis si ça contrarie les ravisseurs et si ça met en danger la vie des otages, l'équipe du commissaire Verne préfère abandonner le jeu de piste pour cette nuit et revenir le lendemain aux premières heures du jour. On remonte au col de Porte et on part sur le chemin de Chamchaune. Chamchaune, c'est un sommet qui est en Chartreuse, qui doit culminer aux alentours de 2000 mètres. Je n'ai pas exactement en tête. Et il y a toute une progression qui se fait. Et donc, on suit ce sentier qui nous conduit à Aber, c'est-à-dire une grange d'alpage, où là, on trouve un autre message. Dans ce nouveau message, les Brigades Rouges demandent aux porteurs de la rançon de retourner à Grenoble en laissant le sac avec l'argent à proximité de la grange. Mais les policiers décident de procéder différemment. Il est laissé sur place une seule chose, un message. Le commissaire Verne demande aux Brigades Rouges de bien vouloir reprendre contact et reprendre contact avec M. Kiulu pour relancer le dialogue. Voilà le message laissé par le commissaire Verne. Un message et un appât. Les policiers espèrent que les ravisseurs vont mordre à l'hameçon. Pendant presque une semaine, ils restent en planque dans la forêt, nuit et jour. Mais personne ne viendra. Et finalement, si ces messages et ces coups de fil étaient l'œuvre d'un plaisantin? Il y avait un côté qui faisait sérieux, qui faisait grave, de par les propos, et puis d'autres choses qui faisaient un peu bizarre, un peu folklorique, j'allais dire, entre guillemets. 350 millions de francs de l'époque ne seraient jamais rentrés dans un sac de sport, quelle que soit sa taille, puisqu'on a fait faire des évaluations par la Banque de France et que ça aurait à peine tenu dans un fourgon de police. Donc, cette rançon mettait en exergue l'aspect fantaisiste de la demande. Et partant, ça pouvait être un élément à verser à la thèse de la fugue amoureuse. Car on imaginait mal des professionnels du banditisme, quels qu'ils soient, commettre des erreurs pareilles. Qu'ils se rendent au glacier Place Notre-Dame, qu'ils trouvent les instructions dans les toilettes hommes. Voilà. Le problème, c'est que la voix du ravisseur, celle que les policiers ont réussi à enregistrer au bar de Grenoble lors du premier rendez-vous, n'est pas celle de Christian. Et ça complique l'affaire, car dans l'hypothèse d'une fugue amoureuse, Christian et Muriel auraient dû faire appel à un complice, l'homme qui a passé le coup de fil. Et là, il devenait quand même difficile d'imaginer qu'un couple, se connaissant à peine depuis 8 jours, ensemble depuis 2 jours. Et imaginer un scénario de ce type, c'était tout à fait impensable. Cette fois, la thèse de la fugue amoureuse a vraiment du plomb dans l'aile. Retour en force de la piste terroriste. Donc à ce stade de l'enquête, Dominique, les policiers croient de plus en plus à la thèse de l'enlèvement politique. Et évidemment, ils vont chercher, j'imagine, du côté des Brigades Rouges, puisque ce groupe qui prétend avoir enlevé ces deux personnes se fait appeler Brigade Rouge, groupe 666. Rappelez-nous ce qu'ont été les Brigades Rouges en Italie, puisque c'est un groupuscule italien. C'est un groupuscule italien, c'est l'extrême-gauche italienne. On est dans les années 70. En Allemagne, l'extrême gauche, c'est la fraction armée rouge, la bande Abadère. En France, c'est Action Directe. En Italie, ce sont les Brigades Rouges. Alors,
On n'en est pas encore à l'assassinat des hommes politiques en Italie. Ça commence, dans les années 70, par quelque chose d'assez folklorique, des distributions de tracts à la sortie des usines sur lesquelles figurent les noms des contremaîtres et des cadres qui doivent être visés par la vengeance prolétarienne. Mais tout doucement, on va y venir, et les Brigades Rouges vont passer à autre chose, à des actions beaucoup plus musclées dans les usines, dans le nord de l'Italie, chez Fiat, chez Pirelli, des commandos qui viennent s'attaquer à l'appareil industriel, qui vont brûler des ateliers, dévaster des bureaux. Finalement, la police intervient, arrête des brigadistes, et c'est là, pour répondre à la répression policière, que les Brigades Rouges vont glisser dans la clandestinité, puis viendront des attentats, et par la suite, des enlèvements d'hommes politiques, des assassinats, ça va être le cas avec la mort d'Aldo Moro. Alors est-ce que lorsqu'ils reçoivent la revendication du groupe 666, les policiers peuvent sérieusement envisager que ce soit une déclinaison des fameuses Brigades Rouges italiennes? Oui Christophe, c'est crédible pour ce titre. Chien de capitaliste, ça c'est la phraséologie des Brigades Rouges. Ça c'est la lettre de revendication. Ça c'est la lettre de revendication. Un peu plus loin, il est écrit « Nous demandons la gratuité des transports en commun à Grenoble, nous demandons la distribution de nourriture gratuitement dans les supermarchés ». Ça aussi, ça peut correspondre à l'idéologie de l'extrême-gauche. En revanche, il y a des choses qui ne collent pas du tout. Par exemple, le profil de Christian Leroy et Muriel ce ne sont pas les personnalités qu'enlèvent habituellement les gens de l'extrême-gauche. Ça, c'est la première chose. Ensuite, les renseignements généraux en France ont sorti leurs petites fiches. Alors, ils ont évidemment trouvé trace de l'existence des Brigades Rouges, et pour cause, tout le monde les connaît. En revanche, aucune trace d'un groupe 666. Le 29 juin, 10 jours après la disparition de Christian et Muriel, les Brigades Rouges se manifestent à nouveau. Dans une série de courriers adressés au maire des Chirolles et au maire de Grenoble, ainsi qu'au Dauphiné libéré, les ravisseurs portent la rançon à 400 millions de francs, 60 millions d'euros, et menacent plus que jamais de tuer le jeune couple s'ils n'obtiennent pas satisfaction. Pour montrer qu'elles ne plaisantent pas, les Brigades Rouges révèlent l'endroit où a été abandonné le véhicule de Christian Leroy. La voiture de Christian Leroy est effectivement découverte. Elle se trouve sur la route des Séglières. On est sur la commune de Champrousse. Elle est sur un chemin forestier, dans un bois. Le poste radio était encore en marche. Donc les gens étaient partis précipitamment, parce que souvent quand on ferme une voiture, quand on abandonne une voiture, bon ben on la ferme à clé ou on éteint au moins le poste de radio, chose qui n'était pas faite. Les portières étaient ouvertes. Il y avait tout le matériel qui appartenait à Christian Leroy, notamment son matériel de pêche. C'était un pêcheur acharné et il semblait aussi possible qu'il ait abandonné son matériel de cette façon. On situait à peu près le moment d'abandon qui remontait à plusieurs jours par un agent des eaux et forêts. La voiture était là depuis plusieurs jours, donc qui correspondait bien à la disparition. Donc l'hypothèse qu'on avait envisagée, un moment de fugue amoureuse, ne tenait plus. Parce que la fugue amoureuse, ils l'auraient faite avec leur voiture, elle n'aurait pas été là. Donc la voiture est abandonnée, les deux personnages n'y sont plus. On est bien dans une prise d'otage. Nous tentons techniquement d'exploiter toutes les traces possibles. Malheureusement, il n'y en a aucune. Pas la moindre empreinte digitale relevée, ou en tous les cas exploitable. Et à toute fin, nous organisons une battue dans tout le secteur du lieu de découverte du véhicule. Les policiers sont maintenant certains qu'il s'agit d'un enlèvement. Et il leur faut plus de moyens. Il leur faut organiser des battues. Ils ont besoin de l'aide de l'armée et des gendarmes. Plus de 80 gendarmes et maîtres chiens passent la région au peigne fin. En vain. La pression monte. Lorsque, 11 jours après l'enlèvement, un nouveau courrier, le 7e, fixe un rendez-vous téléphonique à M. Kiolou au bar Le Glacier, place Notre-Dame à Grenoble. Comme toujours, c'est le commissaire Verne qui prend sa place. Les policiers de la PJ mettent en place le dispositif habituel, mise sur écoute de l'établissement, surveillance discrète. À 20h15, le téléphone sonne au bout du fil. Les Brigades Rouges. Rendez-vous au café hôtel de l'Escale. Allô, je vous entends mal. Rendez-vous. Oui. Au café hôtel de l'Escale, à Alvar-les-Bains, c'est sur la place, vous verrez.
L'escale. À la place principale, l'escale, café hôtel, Alvar-les-Bains. Alvar-les-Bains est là, qu'est-ce qu'il va juste à 9h, vous recontacterez. Par téléphone, le ravisseur donne toutes les instructions pour un nouveau jeu de piste. Mais méfiant, il raccroche très vite. Il ne veut pas laisser aux autorités le temps de localiser son appel. Le commissaire Verne et son équipe sont donc obligés de s'exécuter. La vie des otages est en danger. Tout le dispositif de surveillance se déplace vers Alvar-les-Bains, une commune thermale à une quarantaine de kilomètres de Grenoble. Mais ça prend du temps et les policiers arrivent en retard au rendez-vous. Lorsque nous arrivons, on apprend que déjà M. Kiulu a été demandé à deux reprises. Le téléphone sonne une troisième fois et on demande M. Kiulu. Et le commissaire Verne a encore une fois l'occasion de s'entretenir avec les Brigades Rouges, toujours le même individu, toujours la même voix, qui à ce moment-là lui donne encore de nouvelles instructions. Je suis envoyé à la tour d'Avalon, où sous les projecteurs, je devais trouver des instructions indiquant la manière dont la rançon devait être livrée le soir même. Nous sommes allés sur place. Effectivement, il y avait des messages, mais nous ne les avons pas touchés. On choisit de mettre en place plutôt une surveillance destinée à intercepter quiconque viendrait sur les lieux, absolument convaincu du reste que, comme dans le jeu de piste précédent, le fait de récupérer le message tout de suite ou dans les heures qui suivent n'allait pas changer grand-chose. Ces jeux de piste ne mènent nulle part. Les enquêteurs savent maintenant que les ravisseurs ne se rendent jamais au rendez-vous qu'ils ont eux-mêmes fixé. D'ailleurs, le comportement général de ces fameuses Brigades Rouges groupe 666 intrigue de plus en plus les policiers qui doutent définitivement de l'existence de ce groupuscule révolutionnaire que personne ne connaît. On est là un mois après la double disparition de Leroy et franchement, l'enquête patauge et la tentation est grande d'en revenir à l'idée d'un canular de mauvais goût peut-être, mais d'un canular tout de même. Seulement voilà, c'est là qu'intervient une nouvelle disparition et là c'est certain, c'est un enlèvement, un homme a tout vu. Une jeune femme vient d'être enlevée sur les hauteurs de Grenoble et l'enlèvement vient d'être revendiqué par les Brigades Rouges groupe 666 et là, il y a un témoin. La voiture, il faisait nuit, c'était tout noir. Et la porte de mon côté, passager avant droit, elle s'est ouverte. Brusquement. Brusquement, on l'a même pas entendu arriver, rien du tout. Et il nous a braqué, il était masqué avec un filet sur la tête. Un pas, un filet. Un filet, une sorte de filet de commission, il nous a braqué. Et il nous a dit, je vous veux pas de mal, j'ai la police à mes trous, je veux la voiture. Il m'a fait attacher par Olga, puis une fois que je pouvais plus bouger, il a serré lui-même. Attaché par Olga? Oui. C'est-à-dire que c'est elle qui vous a ligoté? C'est elle qui m'a attaché, mais c'est lui après qui a serré, parce qu'elle... Et elle disait quelque chose à ce moment-là? Elle pleurait? Non, elle était toute affolée. Ce garçon encore sous le choc qui témoigne devant les caméras de télévision, c'est Marc Chavot, un jeune coiffeur de 19 ans. Ce samedi soir, 24 juillet, il se retrouve au lieu-dit Le Mûrier avec sa petite amie, Olga, une jeune femme de 21 ans. L'endroit est connu des jeunes amoureux car il est désert et offre une vue unique sur tout Grenoble. Mais ce soir-là, à 2h du matin, un inconnu vient les menacer avec son arme. L'agresseur enferme Marc Chavot dans le véhicule avant de s'enfuir à pied dans la nuit avec Olga. Il faudra presque 2 heures au jeune homme pour se défaire de ses liens et prévenir la police. On sait que l'agresseur est seul. On sait que l'agresseur manifestement, n'est pas arrivé sur les lieux avec un véhicule à moteur. Ils n'ont rien entendu. Il décrit son agresseur comme étant sûrement un homme jeune, dont il essayera ultérieurement de faire une espèce de portrait robot, mais qui ressemble plus à une silhouette. Tout ça se passe dans le noir, sous le coup de l'émotion, l'homme est masqué, et il essaye de nous décrire sa voix, mais ça n'apporte pas grand-chose. Jusqu'au moment où nous lui faisons écouter la voix que nous avons enregistrée des Brigades Rouges à l'occasion des précédents rendez-vous.
Et immédiatement, il a reconnu la voix en disant « Mais c'est le même que celui qui nous a braqués dans la voiture. » Le témoignage de Marc Chavot, évidemment, est capital, puisque pour la première fois, nous avons un témoin de l'enlèvement. Il l'a vu, il l'a entendu, il lui a parlé, et il a vu sa stature, il a entendu son accent. Donc c'était quand même un témoignage, c'était du reste le seul témoignage qu'on ait pu avoir. Il a reconnu la voix. Et ça, c'est capital. On n'aurait donc pas affaire à un groupe de ravisseurs, mais à un seul homme qui serait à la fois l'auteur des rapts et l'organisateur des jeux de piste. Marc Chavot ne voit qu'un seul ravisseur. Et puis, il raconte, je suis recherché par la police. Il ne parle pas de brigade rouge, il ne parle absolument pas de ça. Il dit, je suis recherché par la police, il faut que je me sauve. Et du reste, ça ne tient là encore pas tellement debout, puisque au début, il voulait la voiture, et puis finalement, il ne la prend pas. Il laisse Marc Chavot dans la voiture, ligoté. Et il part avec Olga. Qu'est-ce que l'enlèvement d'Olga change dans votre manière de percevoir cette enquête ? Tout à l'heure, je vous disais, on a pensé à la fugue. Bon, ça s'écroulait. C'était un événement considérable qui donnait une tournure à l'enquête, qui confirmait que nous étions en présence d'un maniaque qui enlevait les gens, puisque l'enlèvement d'Olga était indiscutable, lui. Là, il n'y avait pas de problème, il n'y a pas de doute, là. C'était un enlèvement. C'était un enlèvement dans les formes de l'enlèvement. Donc ça donnait un relief à l'enquête considérable. Les circonstances même de l'enlèvement d'Olga ne relèvent pas d'un acte terroriste. Non, ça relève d'un enlèvement pur et simple, soit par un vicieux qui veut s'approprier cette jeune fille. Mais comme on ne l'a pas retrouvée, ça se confirmait qu'on était en face d'un maniaque, incontestablement d'un maniaque. Et on n'avait toujours pas trouvé le roi et Muriel. Quelle idée est-ce que vous faites à ce moment-là du ravisseur, son profil comme ça ? On a toujours pensé vers le sadique, plutôt, le sadique, qui était déterminé à faire mal. Un homme jeune ou un homme vieux ? D'après les signalements que nous avait donné le fiancé d'Olga, il était relativement jeune. On avait quand même un signalement, là, quand même. Hein. Il avait montré son arme, on avait un signalement. Alors, vous avez l'enregistrement des conversations que vous avez eues avec lui ? Oui. Je suppose que vous écoutez, réécoutez les bandes magnétiques. Oh, ça, on a écouté, réécouté, on a fait écouter. À qui ? On a fait écouter des gens. C'était délicat de trop faire écouter, car on n'avait encore pas trouvé le roi et son ami. Donc on ne voulait pas mettre en péril les otages. Donc on a, effectivement, je me rappelle, on a fait écouter ses voix, tous les inspecteurs l'ont écouté, certaines parties des gardiens de la paix, mais sans résultat. L'enlèvement d'Olga est revendiqué le soir même par un appel téléphonique au Dauphiné libéré. La même voix, le même homme, se réclamant des Brigades Rouges, groupe 666. Pour libérer Olga, le ravisseur demande la gratuité des transports publics grenoblois et la distribution de denrées dans les grands magasins. Plus, bien sûr, une rançon, beaucoup moins importante que les précédentes. Il réclame 7,5 millions de francs en grosses coupures usagées. Et il fixe un autre rendez-vous au maire d'Échirolles. Ce sera dans 4 jours au café L'Escale, comme la dernière fois, à 20h15 précise. Immédiatement, le Dauphiné libéré prévient les enquêteurs qui décident de saisir cette occasion pour tendre un piège au ravisseur. La plupart du temps, il avait été établi que ces communications provenaient d'un lieu géographique bien déterminé qui était ce qu'on appelle la vallée du Grésivaudan. Avec l'aide des télécommunications, on a à chaque fois essayé de remonter à la source de la communication. Mais ça demandait quand même du temps, et comme les communications étaient relativement brèves, on n'a jamais pu arriver. On a pu déterminer quelles étaient les cabines, mais il était trop tard, évidemment, pour intervenir. Puisque les enquêteurs n'arrivent jamais à localiser à temps le ravisseur, ils décident cette fois de changer de tactique.
le 28 juillet au soir. Lorsqu'il appellera, les 50 cabines de la région seront surveillées par des policiers prêts à intervenir. Et celles qui resteront inaccessibles aux enquêteurs seront mises en panne. Le plan est ambitieux, mais ça doit marcher. Ben, nous étions planqués sur des toits, dans des appartements, sur des balcons, dans des fourrés pour certains, dans des véhicules pour d'autres, en fonction de la topographie des lieux. Et il était prévu qu'à partir du moment où la communication serait établie, je lancerais le mot « action » et tous les gens qui se trouvaient dans les différentes cabines seraient appréhendés. Les télécoms nous indiquant après quelle était la véritable cabine et les autres personnes, après des excuses, auraient été évidemment relâchées. Le soir du jour J, tout est en place. Le café L'Escale est placé sur écoute et plus de 150 policiers et gendarmes surveillent les cabines de la vallée. Le piège tendu, tout le monde n'attend plus que l'appel du ravisseur. Nous avions la certitude que ça ne pouvait pas nous échapper. Notre dispositif était en place. On avait malheureusement déjà eu l'occasion de le rôder à blanc, malheureusement. Mais de voir qu'il fonctionnait et qu'il nous fallait moins de 15 secondes pour interpeller toute personne qui se trouvait dans une cabine téléphonique sur un top donné. Et malheureusement, dans l'après-midi, il y a eu un scoop à un poste périphérique, je ne nommerai pas, annonçant que toutes les cabines téléphoniques de la vallée du Grésivaudan étaient ce jour-là surveillées par la police et la gendarmerie. Inutile de vous dire qu'après cette affaire, qui a donc été un fiasco total alors qu'on avait mis tous nos espoirs dans ce dispositif, inutile de vous dire que par la suite, tous les rendez-vous que les Brigades Rouges fixaient à M. Kioulou, rendez-vous téléphonique pour, pensait-on, recevoir des instructions, par la suite, tous ces rendez-vous n'ont jamais été suivis d'effet par les Brigades Rouges. Alors vous, André Verret, à l'époque, vous êtes journaliste au Dauphiné Libéré. Dites-moi, c'est pas très finaud hein, ce que fait cette radio en diffusant l'information selon laquelle les cabines sont sous surveillance policière hein. Pas finaud. Vous savez, sur une affaire de cette importance, il y a beaucoup de journalistes sur le terrain. Chacun est à la recherche d'une bonne information. Et quand on a cette information, si on n'a pas directement donné sa parole aux policiers, il l'a peut-être eu par ailleurs, n'ayant pas directement donné sa parole, il s'est cru autorisé à la publier. Elle est très suivie par la presse, cette affaire-là. Cette affaire est très suivie par la presse parce qu'elle a été d'abord, il faut bien dire, que les gens des Brigades Rouges écrivent au Dauphiné Libéré. La première chose qu'ils font, la première revendication, on a enlevé des jeunes gens, c'est au Dauphiné Libéré qu'on le dit. Mais on sent que le ravisseur, en fait, joue la presse. Le ravisseur joue la presse. Utilise la presse. Alors que d'habitude, on dit ne prévenez personne. Le silence est la meilleure des garanties. Là, c'est le contraire. Est-ce qu'il y a une psychose dans la ville ou est-ce que pour l'instant, ça ne prend pas? Au début, ça ne prend pas vraiment. Mais la psychose va aller crescendo. Les jeunes filles n'oseront plus sortir seules dans Grenoble et dans les environs de Grenoble. Il y a un moment où les gens vont dire dans les cafés, il y a eu beaucoup plus d'enlèvements qu'on ne le dit et la police cache tout ça, la presse a l'ordre de se taire. Alors on invente des enlèvements. Il viendra un moment où le moindre incendie devient une affaire criminelle et on dit c'est un attentat. Oui, il y a eu un incendie, mais la police ne le dit pas, mais c'est un attentat, c'est les Brigades Rouges. On va tout attribuer aux Brigades Rouges et les gens vont être marqués par tous ces événements. Le 29 septembre 1976, plus de trois mois après l'enlèvement de Christian et Muriel, nouveau courrier adressé à un médecin d'Alvar-les-Bains. Les Brigades Rouges disent avoir mis leur menace à exécution. Les deux jeunes gens sont morts, assassinés. Dans l'enveloppe, il y a un plan tracé à la main, l'emplacement des corps. Il serait enterré au lieu-dit Les Séglières, tout près de l'endroit où on a déjà retrouvé la coccinelle de Christian Leroy. On est sur la colline du Mûrier et on passe une journée complète à ratisser les lieux, à fouiller, à retourner les pierres, sans rien trouver. On recommence le lendemain avec des gardes forestiers qui à examiner le plan fourni par les Brigades Rouges, à interpréter ce qui pouvait l'être.
finissent par nous conduire en un lieu tel que, effectivement, on trouve un muret écroulé. Et en cherchant un peu partout autour de ce mur, l'un d'entre nous renverse une pierre et apparaît un pied. Ou ce qui reste d'un pied, car tout est décharné, les corps sont en complète décomposition, et à dégager les pierres, on finit par retrouver, tête bêche, les corps de Christian Leroy et de Muriel. Commissaire Tauchport, je suppose qu'avec la découverte des corps de Leroy et l'affaire prend une autre dimension. Hein. Tout à fait. Tout à fait, elle prend sa véritable dimension de crime. Et là, on est complètement affolé, car on n'a pas vraiment d'éléments sérieux, mais la découverte nous fait froid dans le dos. Le travaux qu'on a fait avec l'identité judiciaire, la découverte de ces corps qui étaient en un état de putréfaction avancé, je revois encore les chaussures de Muriel. C'était... On savait que celui qui nous téléphonait et qui nous écrivait était vraiment, avait été vraiment déterminé. Ils étaient attachés. C'était pas un crime qui a été fait d'un coup de folie comme ça. C'était un crime bien organisé, bien fini, bien terminé. Avec cette macabre découverte, il n'y a plus de temps à perdre. Le ou les ravisseurs détiennent encore Olga et ils viennent de montrer leur détermination et de prouver qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Immédiatement, les deux corps sont transportés à l'Institut médico-légal pour être autopsiés. Grâce aux bijoux, vêtements et empreintes dentaires, on a pu sans difficulté déterminer qu'il s'agissait bien des corps de Christian et Muriel. Mais les policiers cherchent d'autres indices et notamment des éléments sur les circonstances de leur mort. La personne de sexe masculin présentait 5 fractures au niveau du crâne. Il est évident que toutes ces fractures ont pu très facilement entraîner des lésions cérébrales et le décès de cette personne. La jeune femme présentait, elle, une fracture du crâne, mais une fracture suffit aussi à provoquer le décès de la personne. Ces fractures avaient été provoquées par un objet bien déterminé, comme par exemple une pierre, comme par exemple la crosse d'un pistolet ou d'un revolver. On n'a pas pu déterminer la date exacte du décès étant donné l'état de conservation des corps, mais ce que l'on peut dire, c'est que le décès est arrivé très rapidement après la disparition de ces personnes. Le décès date de plusieurs mois, il ne datait pas de 8 jours ou de 10 jours. À partir de ce moment-là, les policiers imaginent le scénario de l'enlèvement des deux victimes. Ce samedi soir, 19 juin 1976, Christian Leroy quitte son travail pour retrouver Muriel au foyer de l'Oiseau Bleu. Ensemble, ils sortent dîner en ville avant de terminer leur soirée dans un endroit isolé, probablement sur ce parking désert des Mûriers, comme Marc Chavot et Olga plus tard. C'est là qu'ils ont dû être attaqués par le même homme, masqué et armé de son revolver. L'agresseur les a sans doute obligés à le conduire dans la forêt des Séglières avant de les tuer, vraisemblablement, le soir même, peut-être avec la crosse de son arme. On a retrouvé leur corps à moins d'une centaine de mètres de l'endroit où a été abandonné le véhicule. Le scénario tient la route et correspond aux différents éléments de l'enquête. Il devient donc urgent de retrouver Olga pour qu'elle ne subisse pas le même sort que Christian et Muriel. Le dernier espoir, c'est de trouver Olga en vie, mais malheureusement, compte tenu de ce que l'on vient de trouver, ça semble de plus en plus problématique. Ce que craignent les policiers, c'est qu'Olga ait été assassinée le soir même de son enlèvement, comme Christian et Muriel. Ils décident alors, avec le concours des gendarmes, de ratisser les abords du parking des Mûriers, là où Olga a été kidnappée. Si la jeune femme est morte, son corps n'est peut-être pas loin, car Marc Chavot est formel. Le soir de l'agression, le ravisseur est parti à pied avec sa victime. Malheureusement, ces fouilles ne donnent rien. 2 mois après son enlèvement, Olga reste introuvable.
son fiancé choisit de s'adresser au ravisseur par le biais de la télévision. Comprenez-moi, pensez à son père, à sa mère. Si vous avez un peu de cœur, rendez-la nous vivante. Le temps passe. L'appel émouvant du fiancé d'Olga n'a rien donné. À Paris, on commence à se dire... Ah oui, ah ben, qu'est-ce qu'il fiche, quoi, hein? Et bien sûr, le ministre de l'Intérieur, Poniatowski, commence à dire, mais alors, qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce que vous faites? Et il descend à Grenoble pour voir à la fois les instances administratives et judiciaires. Il vous remonte les bretelles, franchement? Non, il se demande... rien que sa venue montre sa détermination... Pas nous montrer le bon. Il vient nous dire, écoutez, il faut faire quelque chose et je vous donnerai tout ce que vous voudrez pour le faire. C'est surtout ça, le but de son déplacement. C'est à partir de là qu'on nous a envoyé des effectifs de Paris, je crois une trentaine d'inspecteurs. On aurait pu demander n'importe quoi, on nous donnait n'importe quoi pour essayer de solutionner cette enquête. Alors après la visite du ministre, vous avez diffusé la voix du ravisseur à la radio et à la télé. Ça met en danger la vie d'Olga. Si elle est vivante à ce moment-là. Certainement. Mais il fallait trouver une solution à cette affaire. Nous n'avions plus. Il faut bien vous dire qu'on avait tout épuisé. Vous avez vu les sommes de procès-verbaux qui avaient été faites, les sommes de vérification dans tous azimuts. Parce que la police judiciaire avait longuement participé, dans toute la France. Partout, on avait tout exploité. Le moindre petit détail, on allait l'exploiter. Donc, quand on est arrivé à cette réflexion de diffuser la voix, c'est qu'on avait. Plus d'autres solutions, voix, écriture. C'est quand même important. Donc on l'a fait. Et je crois qu'il ne faut pas le regretter. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous allez entendre un document, l'enregistrement de la voix du criminel qui se cache derrière le sigle des Brigades Rouges. Alors vous pensez bien que nous avons pesé le pour et le contre moral avant de choisir la diffusion avec tout ce que cela va supposer comme risque de dénonciation. La télévision allemande a l'habitude de ce genre de procédé, nous non. Si nous le faisons, c'est qu'un fou criminel affole une ville depuis 4 mois. Allô ? Je lui fais un message. Oui, allez-y. Qu'il se rende au glacier Place Notre-Dame. Place Notre-Dame, oui, qu'il trouve les inscriptions dans les toilettes. Homme, voilà. Qu'il trouve les inscriptions dans les toilettes. Homme, d'accord. Dans le soupirail de ventilation. R. D'accord, merci. Bonne service. Des extraits de la voix du ravisseur, cette voix si caractéristique, passe donc sur toutes les radios, sur toutes les télévisions, et c'est le tournant de l'enquête, car tout de suite, quelqu'un appelle la police. Il a reconnu la voix, il est absolument formel. On est écouté la télé comme tout le monde avec mon mari, et on a reconnu la voix de mon frère. Mon mari a sorti un livre qui lui appartenait. Qui appartenait à votre frère, hein? Oui, qui appartenait à mon frère. Et on a reconnu l'écriture. C'est mon mari qui est allé dénoncer mon frère. Et vous, vous n'avez pas téléphoné? Personne n'a téléphoné. Ni mes parents, ni ma soeur, ni moi. C'est mon mari qui s'est rendu à la police. Ce soir-là, à 22h, se présente à nous un gardien de la paix. Dénommé Fernandez, qui vient nous dire, ben voilà, les Brigades Rouges, c'est mon beau-frère. J'ai reconnu sa voix, ma femme a reconnu sa voix, et non seulement c'est sa voix, mais c'est son écriture. Et en même temps qu'il nous fait cette déclaration, il nous remet un cahier qui a appartenu à son beau-frère. Et les textes en question qu'il nous présentait, qui était l'écriture de son beau-frère, c'était l'écriture manuscrite des Brigades Rouges. Le ravisseur a d'abord été trahi par sa voix. Il a été reconnu par son beau-frère policier. Mais il est aussi trahi par son écriture. Il a une manière particulière d'écrire la lettre Q, qu'il dessine avec deux petites barres caractéristiques. Et cet homme s'appelle Joël Matancio. C'est un jeune chômeur de 28 ans. Matancio. Le nom figure dans les fichiers de la police de Grenoble pour différentes affaires de vol et d'escroquerie. Les policiers le localisent sans problème, il est en région parisienne où il est allé passer quelques jours chez sa belle-mère.
le 20 octobre, c'est-à-dire le lendemain de la diffusion à la télé de La Voix du Ravisseur, Joël Matancio est arrêté par une équipe de policiers parisiens dans une agence pour l'emploi du 11e arrondissement. Pour l'anecdote, au moment de son interpellation, il était en train de lire un article sur les Brigades Rouges 666. Ça y est, après s'être fait mener par le bout du nez pendant des mois, les policiers tiennent leur homme qui a toutes les allures d'un coupable, un suspect à qui ils ont beaucoup de questions à poser. La première étant, où est Olga? Est-elle vivante? Et puis il voudrait des explications sur ces Brigades Rouges. Pourquoi a-t-il fait ça? Ah, les questions, ils vont les poser. Mais les réponses, c'est une autre histoire. À Paris, ils l'ont mis en garde à vue. Donc la garde à vue a débuté dès le moment de son interpellation, ce qui fait perdre des heures. Quand il est arrivé à Grenoble, c'était vers 20h le soir. Il y avait déjà 12 heures sur les 24 heures de garde à vue qui étaient écoulées. Et alors là, bon, et bien on a commencé l'interrogatoire traditionnel, d'abord vers l'environnement de Matancio. Mais à partir du moment où il fallait rentrer dans les détails de l'affaire, alors là, il se bloquait, et il refusait de répondre ou en niant. Il dit « Je n'ai à aucun moment fait de mal à aucune des personnes dont vous avez prononcé les noms. J'ai entendu parler d'elles. Je les connais, je sais qui elles sont. » Mais Il les connaît. Non, il les connaît à travers la presse, il les connaît à travers les commentaires qui ont été faits, mais il ne les connaissait pas personnellement ou physiquement. Il ne les a jamais vus. Voilà la déclaration qu'il a faite. Donc Dominique, Joël Matancio vient d'être arrêté. Alors c'est là que les policiers découvrent qu'en fait, ils le connaissent et depuis longtemps. Dans la vie de Matancio, il y a deux affaires. Dans son parcours judiciaire, il y a deux affaires majeures. À l'époque où il est encore un chenapan, en 1966, il est encore mineur, va se passer à Grenoble un fait divers qui va défrayer la chronique et qui va s'appeler l'affaire Belphégor. Ça se passe en plein cœur de la ville, sur la place Notre-Dame. De mystérieux tireurs envoient avec des lance-pierres bricolés, on le saura plus tard, des clous cavaliers, vous savez, ces clous à trois têtes, très, très dangereux, sur les passants. Ça va durer un mois, ça va feuilletonner, la police va leur courir après, et pendant un mois, ils vont casser 1000 vitres et vitrines du quartier et blesser 17 personnes, dont un policier, qui était là en planque, et qui va recevoir un clou cavalier près de l'œil et qui va être blessé grièvement. Finalement, on les arrête, ils sont trois, ce sont des mineurs, et parmi eux, il y a Joël Matancio. Joël Matancio, qui a la particularité dans le groupe d'avoir, pendant un mois, rédigé des tracts, des messages, des revendications qu'il a envoyés à tous les journaux locaux. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre le souci qu'il a déjà à l'époque de faire de la publicité autour de ses actes, de faire parler de lui. Il y a une autre affaire dans la vie de Matancio qui se passe en 1974, là c'est beaucoup plus sérieux. Il est à l'époque l'employé, le garde du corps et l'ami très très proche d'un hôtelier lyonnais, très connu, qui marche bien, qui a des restaurants, un homme respectable, qui est homosexuel. Et cet homme va disparaître, on retrouve son corps 4 mois plus tard, et c'est Joël Matancio qui va être le suspect numéro un. Il va être placé en détention pendant un an et relâché, faute de preuves, parce qu'on n'a rien contre lui. Donc, il sera remis en liberté. Totalement blanchi. Totalement blanchi dans cette affaire. Après, dans la vie de Matancio, il y a quelques petites escroqueries, un vol et un incendie dans une station-service dans laquelle il travaillait. C'est pour ça qu'il est condamné à 18 mois ferme. Et ce qui est intéressant, mais bon, c'est facile de le dire aujourd'hui avec le recul, mais c'est que la police aurait pu faire le rapprochement entre l'affaire Belphégor, Grenoble, et l'enlèvement de Christian et Muriel, parce que dans les deux cas, l'auteur a inondé la presse, la police et les autorités locales de textes de revendication. Un jour, André Verret, vous apprenez que l'homme dont on a diffusé la voix à la télévision s'appelle Joël Matancio. Et là, surprise. Ouais. Surprise, oui, parce que Joël Matancio, je le connais. Je le rencontre de temps en temps. Il a été notamment veilleur de nuit dans une station-service. Moi, je suis de service la nuit, souvent. Je fais le plein d'essence dans cette station et on discute. Et je le retrouve quelques jours avant le début des Brigades Rouges, la veille ou l'avant-veille.
quelques jours avant le premier enlèvement, pardon, et il est avec son avocat. Il vient d'être condamné pour avoir mis le feu à la station-service. On va boire un coup avec lui et Maître Ambre, son avocat, et là, il dit, moi, avec, j'essaye de trouver du travail, j'arrive pas à trouver de boulot à cause de mon passé, et je vais finir par faire des bêtises. Est-ce que ce Matancio que vous connaissez colle avec le personnage de l'homme qui a enlevé et tué deux ou trois personnes en l'état? Non, pas du tout, parce que on l'a côtoyé et on n'a jamais pensé qu'il pouvait être l'homme des Brigades Rouges. Ça colle pas pour vous? Ça colle pas parce que moi, je connaissais quelqu'un de poli. Quelqu'un, d'abord, c'est un beau garçon, il est svelte, sportif, il fait beaucoup de vélo, il est très sympa, il est très poli, c'est un brave homme. Donc on ne peut pas imaginer que ce garçon est l'homme des Brigades Rouges. Ça fait 24 heures que les policiers interrogent Matancio, et ils n'en ont rien tiré. Il exige de parler à un avocat, ce qui à l'époque n'est pas prévu par la loi. Avant cela, il ne dira rien. Un mur. Or, pendant ce temps-là, si Olga est vivante, le temps presse. Comment se passe la garde à vue de Joël Matancio? Bon, d'abord, c'était l'arrestation à Paris. Il est ramené à Grenoble. C'est Verne qui commence à l'interroger et qui ensuite me dit, prends-le, va. Le mutisme le plus complet. Et puis, je n'ai rien pu en tirer. Rien? Rien, absolument rien. Rien. Mutisme complet, je le revois encore, assis sur son fauteuil, la tête basse. C'est pas moi, je n'ai rien à dire. Il répondait même plus. Mutisme complet, rien. Comment on fait avec un type comme ça qui donne pas l'heure, quoi? Qui dit son nom, son prénom, et puis c'est tout. Et puis c'est tout, mais ça arrive. Il faut que ce soit un sacré personnage. Il faut qu'il soit entraîné. Il soit déjà passé dans des services de police. C'est pas vous demain qui allez rentrer dans un mutisme le plus complet. J'arriverai peut-être à vous sortir quelques mots. Mais lui, il avait une expérience de la police. Il la connaissait bien, la police. Donc, il sait qu'il ne faut rien dire. Parce qu'au fond, vous avez une double mission. Lui faire avouer, si c'est le cas, qu'il a enlevé et tué le roi. Bien sûr. Et puis lui faire dire où est Olga. Et où est Olga. Et puis, essayer de savoir s'il a des complices ou pas. Ça fait beaucoup de choses. Triple mission. Triple mission. La juge d'instruction Schiabrini accorde alors une prolongation de garde à vue de 24 heures au commissaire Verne et à son équipe, avec pour mission de faire craquer Matancio. On était convaincus, dès l'identification de Joël Matancio, de par la personnalité qu'on avait de l'intéressé, du passé de l'intéressé, de sa façon de se comporter tout au long de l'interrogatoire, on était convaincus qu'il était l'auteur des enlèvements et qu'il savait parfaitement où était Olga. On essaye tout à ce moment-là. On essaye tout pour lui faire dire où se trouve Olga. Moi, il y a une chose qui m'avait profondément marqué dans cet interrogatoire, c'est qu'à un moment, le père d'Olga souhaitait le rencontrer pour essayer d'obtenir quelque chose de Matancio, lequel Matancio a accepté. Et je revois encore, comme si c'était hier, le père d'Olga se mettre à genoux devant Joël Matancio, qui était assis sur une chaise dans le bureau, et le supplier de lui dire où était sa fille, ce qu'était devenue sa fille, et Matancio de lui poser la main sur l'épaule et de lui dire « Ah, mon brave monsieur, si je pouvais vous aider, je le ferais bien volontiers, mais je ne sais rien, etc. » Le papa d'Olga le supplie, mais lui reste de marbre. Les policiers se disent que pour le faire craquer, il faudrait lui mettre sous le nez une preuve incontestable. Ils ont déjà la voix identique, et puis l'écriture. L'idéal serait l'arme du crime. Alors ils fouillent le passé de l'accusé, enchaînent les perquisitions, et là, bingo. Nous découvrons l'existence d'un de ses amis, presque intime, un dénommé Joseph Migliasso. Évidemment, perquisition au domicile de ce Migliasso, et au cours de cette perquisition, on récupère une carabine 22 long rifle et on récupère un revolver 22 long rifle dont le numéro d'immatriculation qui identifie l'arme sur la crosse a été martelé et une crosse cassée, rafistolée avec du scotch
et le pontet, c'est-à-dire la petite partie métallique qui se trouve en dessous de la queue de détente, le pontet enfoncé. Les policiers sont intrigués par ces traces de coups sur le revolver. Immédiatement, ils l'envoient au laboratoire pour expertise. Les résultats sont formels. La forme de la crosse et les déformations de l'arme correspondent point par point aux traces relevées sur le crâne des deux victimes. Francis Migliasso est immédiatement placé en garde à vue, suspecté d'être un complice de Joël Matensio. Mais très vite, il apparaît qu'il a un alibi en béton. Il n'a pas pu participer à l'enlèvement ni au meurtre, mais il a pu fournir l'arme du crime. Il se dit innocent, le revolver ne lui a jamais appartenu, c'est Matensio lui-même qui lui a donné cette arme au cours d'une séance de tir. Un jour, j'ai acheté une carabine dans un endroit, et puis j'ai dit en descendant, lui et moi, on a décidé d'aller tirer. Lui m'a dit, je connais un endroit où on peut tirer. On a été avec lui. Et c'était la fameuse décharge publique de l'Uriage. Hein. Voilà, c'est lui qui m'a emmené. Mmh. Il m'a emmené là-bas. Il m'a dit, bon, avant ça, j'ai caché un revolver par là. J'ai caché, on va le chercher. On va le chercher. Alors je l'ai suivi, on a fait peut-être 10, 20 mètres. Et sous les pierres, il y avait un revolver, il me l'a donné. Nous interrogeons Matensio. Et nous le confrontons avec Migliasso sur ce problème d'armes. Ils ont l'un et l'autre une version strictement identique de leurs faits et gestes de la journée, sont d'accord sur tout, sauf sur un point, la propriété du revolver. Donc là, on avait des deux, évidemment, un menteur. Et pourquoi mentir sur cette arme s'il n'y avait pas quelque chose, évidemment, à dissimuler? Le numéro de série du revolver a été limé, mais les experts de la police parviennent à le reconstituer. C'est une arme d'origine allemande, vendue en juin 1976 à un certain Tomasini. Achat tout à fait légal dans une petite armurerie de Grenoble, la transaction a été consignée dans les livres de police. Tomasini est retrouvé et il déclare : l'arme, je l'ai achetée moi-même le 16 juin à la demande express de mon ami Joël Matensio, qui me disait avoir absolument besoin d'une arme pour régler quelques affaires personnelles antérieures ou en cours qui allaient l'enrichir subitement. Et son ami Matensio s'était tellement monté pressant à son égard qu'il avait accepté. Désormais, les faits sont incontestables. Matensio est coincé. Joël Matensio avoue donc qu'il a fait acheter l'arme du crime et qu'il l'a récupérée le 16 juin au soir, c'est-à-dire trois jours seulement avant l'enlèvement de Christian et Muriel. Au point où il en est, il va plus loin. Il avoue aux policiers que oui, c'est bien lui qui a écrit les lettres de demande de rançon. Oui, c'est aussi lui l'auteur des appels téléphoniques. Oui, c'est lui qui a appelé la police pour désigner le lieu où étaient enterrés les corps. Mais c'est pas lui qui les a tués. Non, il n'a pas non plus enlevé Olga. D'ailleurs, il ne sait pas où elle est. Et voici son explication. Il a fait tout ça sous la contrainte des brigades rouges qui le menacent et qui menacent toute sa famille s'il parle. Voilà sa version des faits. Il n'est pas complice. Il est donc victime des brigades rouges. Octobre 1981. Joël Matensio comparé devant la cour d'assises de Grenoble pour un procès très attendu. Ça fait 5 ans. 5 ans que Matensio attend en prison d'être jugé. Il est à l'époque le plus vieux prévenu de France. Les juges d'instruction ont mis beaucoup de temps à boucler l'enquête et laissé pas mal de zones d'ombre. L'enjeu de ce procès, lorsqu'il va s'ouvrir le 23 octobre, c'est d'aboutir autant que possible à la manifestation d'une vérité complète. Il faut dire que deux victimes ont été retrouvées. Elles ont été retrouvées le 1er octobre 1976, 5 ans plus tôt. Une victime, Olga, n'a pas été retrouvée. Est-elle vivante? Est-elle décédée? Le doute plane encore sur ce dossier. Le procès doit durer 9 jours. 9 jours pour faire toute la lumière sur cette affaire. Dès le début de l'audience, tous les regards se tournent vers l'accusé. Mais Joël Matensio n'a pas changé. Oui, il est bien l'auteur des courriers.
est l'auteur des appels téléphoniques. Mais c'est contraint et forcé qu'il a été la voix des Brigades Rouges. Ce n'est pas lui qui a enlevé, et encore moins tué, Christian Leroy et Muriel. Quant à Olga, il ne l'a jamais vue. Son avocat, Maître Ambre, plaide donc l'acquittement. Mais cette stratégie est difficile à tenir face à un dossier extrêmement convaincant. L'écriture, la voix, l'emploi du temps, l'arme du crime. En tout, on dénombre 17 éléments accablants pour Joël Matensio. On est face à un accusé qui est maître de lui, qui ne se dément pas, qui reste fidèle à son système de défense et qui, évidemment, reste imperméable pratiquement à tout ce qui l'entoure. Joël Matensio a refusé de s'exprimer d'aucune façon. Si on devait consulter le plumitif du greffier au cours de ses journées passées en audience, je pense qu'il n'y a pas trois phrases de Matensio qui ont pu être notées par le greffier. Les avocats des victimes voudraient qu'il parle, enfin. Pendant 4 jours, ils essayent de le pousser à bout. Ils reprennent une à une les pièces du dossier. Ils posent question sur question. Ça ne marche pas. Alors ils décident de passer à la vitesse supérieure. Nous avons décidé, lors d'une audience, après ces 4 longs jours de débat, de passer à l'offensive et brusquement de changer un petit peu la façon dont nous abordions le débat. Et nous avons dit, si on ne fait pas craquer aujourd'hui, on ne le fera jamais craquer. Matensio était un hypersensible, un hypernerveux, un être psychotimique, et que Maître Joanneau avait senti que nous avions une petite chance, en cours d'audience de cour d'assises, peut-être de le faire craquer et lui faire dire où se trouve le corps d'Olga, voire passer carrément des aveux. Au 5e jour du procès, la stratégie des avocats des victimes est simple. Désormais, face aux jurés et à la foule, ils vont présenter Matensio comme un monstre, une bête inhumaine qui n'a même pas pitié d'une famille qui le supplie à genoux de lui dire où est sa fille Olga, disparue depuis 5 ans. Ce portrait en noir va déstabiliser l'accusé. Je pense que c'est essentiellement la plaidoirie de Maître Joanneau qui a été l'instrument de cette défaillance de Matensio. Que nos plaidoiries à nous, à Maître Lombard et la mienne, aient joué un rôle par les faits, malgré tout, de coups de butoir qu'a reçu pendant toutes ces plaidoiries Joël Matensio, je crois. Mais Maître Joanneau plaidait le dernier. Sa plaidoirie a définitivement marqué l'auditoire, mais surtout l'accusé qui se trouvait dans le box. On a vu Joël Matensio tenter de se lever, manifester une sorte de malaise interne. Et lorsque Maître Joanneau s'est assis, après sa péroraison, Joël Matensio s'est levé. Et je crois me souvenir qu'il a dit, mais je dois dire, je vais faire une déclaration, Maître Lombard et Maître Joanneau ont raison. Je sais où se trouve le corps d'Olga. À ce moment-là, j'ai repris la parole et je lui ai dit, seriez-vous capable, puisque vous le dites, de dresser un plan de manière à ce qu'on puisse effectuer des recherches et nous dire exactement où se trouve le corps de cette dernière victime. Il a accepté. C'est l'incroyable coup de théâtre de ce procès. Alors que tout le monde n'attendait plus rien de Joël Matensio, le président Fabre sent que, pour la première fois, l'accusé va parler. Immédiatement, il fait donner à Matensio une feuille de papier et un stylo et ordonne une suspension d'audience pour lui laisser le temps de dessiner son plan. Donc l'audience est reprise, la cour examine le plan, s'aperçoit que c'est un plan qui peut être exploité. Et à ce moment-là, je lui pose 3 questions. Je lui dis, étant donné les déclarations que vous venez de faire, reconnaissez-vous être l'auteur de l'enlèvement et de la mort de Muriel? C'était la première victime. La réponse est oui. Sans commentaire. La même question lui est posée concernant Christian Leroy. La réponse est oui. Sans commentaire. La 3e question concerne Olga. Je pose la même question. La réponse est oui. Quand vous entendez, vous, ces 3 oui, vous les trouvez convaincants ou
Est-ce qu'ils sont juste une concession faite comme ça, ça au président ? Ça confirme ce que tout le monde pense, parce que l'instruction a quand même montré que l'homme des Brigades Rouges, tout le monde pense que l'homme des Brigades Rouges, c'est lui. Mais évidemment, il n'y a pas d'aveu, et on pense qu'il ne fera pas d'aveu. En plus, ce ne sont pas de vrais aveux. Ces trois oui ne sont pas de vrais aveux. Surtout qu'en tirement, en disant, puisque vous voulez que je sois le coupable, je veux bien me sacrifier pour être le coupable, pour vous faire plaisir. Ça veut dire ça. Ça ne veut pas dire je suis le coupable, entièrement, ça veut dire je vais vous faire plaisir. Vous voulez que ce soit moi ? Ben allez. C'est moi, si ça vous arrange, tant mieux. Mais et puis pour Maître Ambre, c'est terrible, ça. Ça fait 5 ans que son client nie, et à 48 heures du verdict, tout d'un coup, il dit c'est moi. Alors, Ambre, lui, a essayé de remonter tout ça. Hein. Alors là, le président prend une décision qui est une première, je crois, en France. C'est incroyable. Il décide d'emmener la cour sur les lieux où Matensio dit c'est là que j'ai enterré Olga. Et là, alors, on assiste à... C'est une journée extraordinaire. Alors, cette audience foraine de cour d'assises, en province, c'est rare. Les audiences, on ne savait même pas que ça existait. Et pourquoi ne pas y aller le soir même, alors qu'il vient de craquer ? Et ben, le président explique après qu'on ne peut pas trouver des véhicules pour emmener toute une cour d'assises. Il faut des gendarmes, des cartes gendarmerie, etc. Et alors, cette journée extraordinaire va se dérouler le lendemain. Et moi, ça me fait penser au Dauphiné Libéré, on aime bien le vélo, on organise une épreuve cycliste, etc. Et ça nous fait penser, moi, ça me fait penser à une étape du Critérium du Dauphiné, du Tour de France. Matensio est dans un commande-car de CRS, et c'est lui le directeur de la course. Derrière, il y a un car de gendarmes mobiles avec la cour, les jurés, il y a les avocats sont par là aussi, et derrière, les voitures de presse suivent. On prend la direction de Champs-Rousses, alors que la circulation n'est pas bloquée, quand les voitures de presse sont sur la gauche, comme au Tour de France, et se sont mis à occuper toute la route, les gens qui arrivent en face. Heureusement, à l'époque, ça ne circulait pas trop. Les gens ne savent pas, ils se mettent dans les fossés, sur le bas-côté. Et voilà, tout le monde progresse. Et là, j'ai surpris le regard de Matensio. Il y avait une espèce de jubilation dans ses yeux. Il était le gars... Parce que c'est lui qui disait, on va là-bas. Ah, il faut tourner ici. On est allé trop haut. Il a fallu faire demi-tour. Tout ce qu'on voit sur une petite route de montagne qui fait demi-tour, etc. C'était formidable. Et c'est lui qui dirigeait les opérations. Messieurs, je vous informe que vous ne devez prendre, bien entendu, ainsi que je l'ai réitéré, absolument aucune prise de vue de la scène du transport sur les lieux qui va se dérouler maintenant. Il est bien entendu que la cour est réunie en audience publique. Monsieur le greffier, vous avez noté que nous reprenons l'audience, toute partie étant réunie, à 10h45. Avant dernier jour du procès, l'ambiance est tendue car le président Fabre n'a pas droit à l'erreur. La moindre faute de procédure et c'est tout le procès qui peut être annulé. Au petit matin, la cour et les jurés se retrouvent avec Joël Matensio sur un chemin forestier, pas très loin de l'endroit où ont été découverts les corps de Christian et Muriel. Dans son plan, Joël Matensio a indiqué l'endroit exact où, dit-il, repose Olga, au bord d'une route, près d'un petit château d'eau. Robert Fabre demande donc à l'accusé de conduire les recherches, mais Matensio ne retrouve pas l'endroit. L'accusé va hésiter. Il va désigner un premier endroit, on va s'arrêter, on va chercher à cet endroit-là. Les lieux ont changé, si bien que, après un instant de réflexion, et alors qu'il paraît sincère, il demande à se déplacer d'un kilomètre ou deux en amont, parce que la route est en légère pente, elle est sinueuse au milieu des bois, pour vérifier si ça ne serait pas un endroit placé un petit peu, un endroit supérieur. Mais là-bas non plus, Matensio ne reconnaît pas les lieux. Il demande à revenir à son point de départ. La course s'exécute, mais ses allers-retours commencent à agacer sérieusement les familles et leurs avocats. Ce déplacement qui a pris plusieurs heures, au cours duquel nous avons vu Joël Matensio faire semblant de chercher le corps d'Olga, d'un côté de la route, de l'autre, sans le trouver, se creusant la tête en prenant des airs perplexes, était une comédie. Toutes les familles étaient effondrées, mais averties déjà par nous qu'il y avait peu à espérer, elles étaient seulement confirmées dans leur désespoir de la monstruosité de cet homme qui ne voulait absolument rien dire, qui puisse soulager leur peine.
Pendant de longues heures, pompiers, policiers et gendarmes fouillent, un par un, tous les endroits désignés par Matensio. Mais à la fin de la journée, ils n'ont rien trouvé. Nous levons l'audience, qui est toujours en rase campagne, dans le quart de la gendarmerie, et nous renvoyons l'audience au lendemain pour retirer les conséquences de ce transport de justice dont on ne peut pas dire qu'il ait été vain, d'ailleurs. Certes, on n'a pas retrouvé le corps de la troisième victime, mais cependant, moi, j'ai pu me rendre compte, personnellement, que Joël Matensio, lorsqu'il avait passé les aveux la veille, avait certainement dit la vérité, mais qu'il avait été incapable, sur le terrain, de retrouver l'endroit précis. Le 1er novembre 1981, après une délibération très courte, Joël Matensio est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. À votre avis, comme ça, hein, Matensio, il avait un complice ou il n'en avait pas ? Moi, à mon avis, il n'en avait pas. J'ai l'impression de vous paraître formel, mais... c'est toujours la même voix, c'est toujours la même écriture. Il y a rien qui nous amène voir une intervention extérieure qui pourrait, un élément constitutif ou une preuve quelconque qui pourrait nous permettre de penser qu'il avait de près ou de loin des complices. Comme également, on rejette totalement ce rapprochement avec le terrorisme. Moi, je pense qu'il est seul et qu'il avait mûrement réfléchi. Et préparé. Quel serait donc le mobile de Matensio ? Eh bien, difficile à déterminer, si ce n'est le désir d'être une vedette et le souhait peut-être d'ennuyer les services de police qui ne gardent pas un bon souvenir. Il a été arrêté depuis l'âge de 16 ans, il a été cité dans plusieurs affaires, on ne peut pas dire qu'il aime la police. Voilà. Je ne vois pas d'autre mobile. Je vois pas d'argent. Non, la notoriété, parce que c'est moi, Matensio, je suis content qu'on parle de moi, je vois pas d'autre mobile. Les jurés ont considéré qu'il était le seul coupable de ces trois crimes et qu'il n'y avait jamais eu de brigade rouge dans toute cette affaire. Ce verdict clôt définitivement 5 années d'instruction, mais une question reste toujours sans réponse. Où est passé le corps d'Olga? Le corps d'Olga sera retrouvé 2 mois plus tard. C'est la grand-mère de Joël Matensio qui lui écrit en prison pour lui dire « Allez, petit, dis-le, dis à ses parents où est le corps de leur fille. » Et c'est ça qui fait craquer Matensio. Il lui envoie un dessin, un plan de l'endroit, un petit bois de gière en Isère. On est à 20 mètres des lieux sur lesquels s'était déplacée la cour d'assises. Les policiers soulèvent un tas de pierres et ils trouvent, le 5 janvier 82, un squelette qui s'avère être celui d'Olga. Depuis pourtant, Joël Matensio n'a jamais cessé de clamer son innocence et d'accuser les fameuses Brigades Rouges 666 qui pourtant ne se sont jamais plus manifestées après son arrestation.